Stupid Jean, aujourd'hui on va parler d'un truc pas rigolo, c'est la dysphorie de genre. Générique. Alors la dysphorie de genre, qu'est-ce que c'est? Déjà, toutes les personnes trans ne ressentent pas de dysphorie de genre. Et on peut être complètement légitime en tant que personne trans sans ressentir de dysphorie de genre. Voilà, maintenant que ça c'est mis de côté, la dysphorie de genre, qu'est-ce que c'est? La dysphorie de genre, c'est quand quelque chose de votre corps ou quelque chose de social ou une attitude que vous allez avoir, une voix, n'importe quoi en fait, va créer une sorte de rupture directe entre qui vous êtes et votre corps ou votre voix, enfin cette espèce d'élément étranger, et vous donner l'impression d'être dans votre genre assigné à la naissance et que ça vous fait mal en fait. C'est très compliqué à genre expliquer quand on le ressent pas soi-même, mais la dysphorie de genre c'est vraiment quelque chose de pas agréable. En général ça arrive énormément en début de transition, pré-transition, et ça s'estompe souvent avec le temps. On commence à adapter son corps, son expression de genre, on domestique sa voix par exemple, ses attitudes, etc., la position qu'on a dans la société, tout ça. Au bout d'un moment, la dysphorie de genre peut complètement disparaître. Mais souvent, c'est quelque chose qui est assez régulièrement là et qui est très difficile à surmonter. Moi, ça fait 2 ans, du coup, que j'ai entamé ma transition. Il y a des petites choses qui me rendent encore dysphorique. Je ferai des petites vidéos comme ça sur les petits machins qui me rendent dysphorique. Voilà, ça fait le tour de la dysphorie de genre. L'inverse de la dysphorie de genre, c'est l'euphorie de genre. Et l'euphorie de genre, c'est ce sentiment de bonheur qui naît en fait du fait qu'on se sent complètement dans son genre. Par exemple, je sais pas, mais par exemple, s'il y a quelque chose qui va profondément me faire sentir femme, je peux éventuellement expérimenter de l'euphorie de genre. Voilà, tipeee.